Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore. Nous sommes bien entendu jeudi et c'est une autre édition de la Revue des Grandes, une sur Equinox Télévision. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée de la liberté de la presse. La Nouvelle Expression a d'ailleurs titré dessus et proposé tout un dossier. Le journal parle de regard croisé sur le Cameroun. La journée mondiale irrelative donc se célèbre ce jeudi 3 mai 2018, rendue donc à sa 25e édition. Elle se tient dans un contexte camerounais où de nombreux dérives sont donc notées. C'est ce que dit le journal dans le dossier de la page 6 à la page 8. Le journal parle également de Parlement. 16 sénateurs rattrapés par les incompatibilités. C'est ce que dit le journal. Donc, ces parlementaires se sont engagés à quitter leurs fonctions dans la gestion des affaires publiques pour conserver donc leur écharpe tricolore. Une grande première au Cameroun signe donc des temps, selon bien sûr la presse. On parle également de la présidentielle 2018. Joshua aussi veut revaloriser le SMIC. Le candidat du Social-Démocratie Front approché à la prochaine présidentielle promet donc de porter progressivement le salaire minimum à 160 000 francs CFA. C'est en page 4 et on parle aussi de libération du prêtre en levée. Il avait été donc kidnappé en plein culte il y a quelques jours par des inconnus devant ses fidèles impuissants. C'est en page 2 de ce numéro. Et puis on parle de la CAN 2019. Ça bouge donc sur les chantiers. Le ministre de l'Habitat et du développement urbain a donc effectué une visite sur les chantiers de Douala et Limbé. Et c'est dans le journal en page 11 de la Nouvelle Expression. Un autre journal qui est dans les kiosques, c'est Info Matin, qui parle de la lettre de Vincent Bolloré qui rassure son personnel. Hier, l'industriel français a écrit aux salariés donc de son groupe pour les informer de la cabale judiciaire dont il est donc l'objet. Et à lire donc l'intégralité de la correspondance en page 4 du journal, le même journal qui parle également d'une menace de la liberté de la presse. Une menace permanente qui pèse donc sur les médias au Cameroun. Et on s'intéresse aussi à autre chose au Sénat dans ce même journal. Paul Biya reconduit Gnandi Fendi après la validation des mandats et bien entendu la reprise ou la remise même des attributs hier. Place à l'élection du bureau. C'est en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Également dans les kiosques, on va retrouver le journal Signature qui parle de fonctionnaires ou fonctionnaires fictifs. Donc une maladie difficile à soigner. C'est le grand titre du journal de Signature qui est dans les kiosques ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, d'autres informations que je vous invite à lire, parlant notamment de la préparation de la fête du 20 mai. Le ministère de la Défense se met donc au pas et reste vigilant sur des questions de sécurité. C'est dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie qui est disponible s'intéresse également à la journée du 3 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Économie précaire de la presse camerounaise, tout un dossier également pour lire un peu, voir également ce qui se passe dans le milieu de la presse au Cameroun. Donc c'est un autre sujet à lire aussi dans les kiosques et bien d'autres informations qui sont contenues dans le même tabloïd de ce matin. Donc c'est toujours dans les kiosques aujourd'hui. Alors le journal Mutation qui parle de tout autre chose, parle des martyrs de la crise anglophone dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest précisément. Donc on apprend également qu'il y a des déplacés, des hommes en tenue, des soldats et même des civils qui sont menacés, qui n'arrivent même plus à trouver l'endroit idéal, les élèves également, les parents. Donc aujourd'hui, tout le dossier promet ou permet de comprendre également les raisons de ces déplacements à cause de l'insécurité véritablement, mais avec une analyse forte, bien sûr, des universitaires à découvrir en page 7 du journal disponible dans les kiosques. Le journal s'intéresse également au Sénat avec les 16 cas de cumul qui ont été recensés. Aujourd'hui, décidé donc de rester sénateur et libérer les postes de président du conseil d'administration. C'est dans le journal Mutation de ce matin. Autre sujet, autre journal également disponible dans les kiosques, c'est Cameroun Tribune qui parle du Sénat. Les élus reçoivent donc leurs attributs. C'est le dossier proposé par le journal et avec également tout ce qui tourne autour. C'est à lire dans ce numéro de ce matin et d'autres informations aussi à découvrir dans la presse disponible ce jour. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Il est sur ce plateau. Camille, il est bonjour. Flavien Valon, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et bienvenue. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Vous savez, nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Comme vous le savez également, la presse est difficile à pratiquer. Je voudrais dire, le métier de journalisme est difficile à pratiquer au Cameroun. Il faut vraiment l'aimer, il faut avoir la vocation, il faut vraiment avoir le mental pour pratiquer ce métier. Pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais même partout à travers le monde. Mais quand on célèbre la journée de la liberté de la presse, il ne faudrait pas tout mettre dans la même corbeille. Il faudrait dissocier entre la liberté de la presse
qui inclut la responsabilité, le respect de l'éthique et toutes les valeurs fondamentales de la presse. Mais maintenant, il ne faudrait pas mélanger cela avec les conditions d'exercice de ce métier, parce que vous savez très bien que la presse au Cameroun, elle est ce qu'elle est. Et ceux qui font la fine bouche aujourd'hui, au moment où on parle de la liberté de la presse, qui disent que non, la liberté de la presse, l'exercice de la profession de journaliste est précaire au Cameroun, c'est parce que ceux-là ne savent pas d'où est partie la presse. En 1962, 63, 64, il n'y avait même pas de presse du tout au Cameroun. Il y avait un quotidien qu'on appelait la presse du Cameroun qui appartenait au groupe Havas, et qui était animé par quelques journalistes africains, parmi lesquels Abodel Karimou, qui est l'icône de la presse écrite camerounaise, qui par la suite, en 1974, a créé la Gazette. Et la Gazette a été créée au moment où l'État du Cameroun a décidé de créer son propre journal, le journal à capitaux publics, Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est né en 1974. Avant 1974, il y avait des périodiques, mais il n'y avait pas de journaux. Donc la presse est partie de 1974, exactement. Mais en 1974, la presse locale, bien sûr. Oui, la presse locale, je veux dire. Mais en 1974, déjà, il faut dire qu'il y avait une très forte censure. Nous étions dans un régime où la liberté n'était pas donnée à tout journaliste de dire ce qu'il pense ou de dire tout ce qu'il voit. Mais néanmoins, il y a eu évolution entre cette époque-là, parce que moi, j'ai commencé la presse à cette époque-là où il y avait la censure. Vous faites vos articles, vous montez votre journal, mais avant qu'il aille à l'imprimerie, il passe d'abord par la sous-préfecture, où un fonctionnaire lit les articles, biffe ce qu'il biffe, et vous demande d'aller réécrire vos articles, alors qu'il n'aime peut-être même pas votre niveau d'instruction. Donc, c'est de là qu'est partie la presse. En 1990, on a vu le tournant, avec maintenant l'ouverture, la grande ouverture, et aujourd'hui, on a dépassé cette ouverture. On en est déjà aux réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui dictent la loi aujourd'hui. Et ceux qui pratiquent les réseaux sociaux ne sont malheureusement, pas des journalistes qui ne respectent aucune règle éthique, aucune règle déontologique, aucune règle morale. Et c'est pour ça qu'on voit autant d'injures, autant d'outrances dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand on dit que la presse n'est pas libre au Cameroun, non, c'est un gros mensonge. La presse est libre, mais il faut seulement regarder comment les journalistes eux-mêmes pratiquent ce métier si difficile et si passionnant. Alors, donc, lorsqu'on parle de liberté de la presse, selon vous, c'est qu'elle est libre? Parce qu'on trouve quand même, c'est vrai, à travers les réseaux sociaux et même parfois dans la plupart des tabloïds, on dit de tout et n'importe quoi, parfois, et ça crée quand même des trabuges. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que chaque fois que l'on célèbre cette liberté de la presse, il faudrait d'abord commencer par célébrer le sens de la responsabilité chez le journaliste. Le journaliste n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Le journaliste n'a pas le droit de dire ce qu'il pense, parce que ce qu'il pense n'est pas forcément la vérité. Le journaliste a des règles éthiques, morales, professionnelles qu'il doit respecter, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, quand on veut aller au fond, aller beaucoup plus loin au regard de la presse camerounaise, on verra qu'il existe même combien de structures de presse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous voyez un journal qui sort régulièrement à l'improviste que vous pouvez estimer que ceux qui travaillent là-dedans sont des journalistes. Parce que pour exercer ce métier, il faut le faire dans un cadre bien défini, avec une équipe, des locaux, du matériel, des professionnels qui travaillent, qui sont rémunérés. À l'aune des résultats de ce journal, il y a des journaux qui n'existent que dans la mallette de leurs promoteurs, et maintenant quand on regarde l'origine de ces promoteurs, il y en a qui ont été vendeurs de voitures, il y en a qui ont été Ben Skinner, il y en a qui ont été vendeurs au marché central et qui ont décidé d'entrer dans la presse, d'obtenir une autorisation et de commencer à faire travailler des gars capables d'écrire. Donc moi je dis, la presse aujourd'hui, quand on la regarde comme on trouve des groupes de presse qui sont connus entre Douala et on trouve des journaux structurés avec un personnel structuré bien formé, mais seulement la réalité à l'intérieur de ces journaux, elle est, c'est un autre débat. Mais alors, que dites-vous de ceux qui pensent que les conditions de travail et même les conditions sécuritaires sont les premières causes de désertion de certains de ce métier, en tout cas pour certains qui ont été là depuis des années et qui ont pensé que toutes ces conditions ne permettent plus aujourd'hui de pouvoir exercer librement? Non, il ne faut pas confondre les choses. Désertion, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté la presse, mais est-ce qu'on sait comment il est entré dans la presse? Il est entré dans la presse parce qu'il avait la vocation, parce qu'il avait été formé, parce qu'il attendait quoi? Il y en a qui ont quitté la presse parce qu'ils n'ont pas été jugés suffisamment qualifiés. Il y en a qui sont partis parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y en a qui en sont partis parce qu'ils ont trouvé mieux. Alors quand vous trouvez quelqu'un qui était peut-être rédacteur, simple rédacteur dans une rédaction ou dans une radio ou dans une télévision, et qu'on lui propose une fonction dans
dans une multinationale ou dans une grande entreprise où il va faire la communication. Il n'y a pas de choix à faire. Les salaires ne sont pas extraordinaires dans la presse. Il faudrait le savoir. Mais il y a tout de même des groupes de presse qui payent convenablement et honorablement leur personnel. La preuve. Alors, on fait le tour. Il y en a qui sont depuis de longues années. Donc, on fait le tour du dossier proposé par la nouvelle inspection ce matin. Il y a quand même Georges Ndenga qui a travaillé à la CRTV à l'époque. Il parle donc de la liberté de la presse qui n'est pas ressentie de manière réelle, véritablement. Donc, selon lui, il estime que ça ne va pas. Mais est-ce qu'à l'époque, il pouvait le dire? Je pense qu'il fait la fin de bouche parce qu'il a commencé. Il n'a essentiellement travaillé que dans la presse de l'État. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'est pas ressenti? Après, quand il est allé à la retraite, il a commencé à beaucoup plus approcher les journalistes de la presse privée. Mais que dans la presse officielle, il n'y a que la ligne éditoriale, il n'y a pas de choix. Si vous ne suivez pas la ligne éditoriale, vous allez vous faire voir ailleurs. Mais lui, comment peut-il dire que cette liberté n'est pas ressentie? Ce n'est pas possible. Ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, ce qu'on écrit dans les journaux aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les journaux en 1980. Est-ce que vous imaginez qu'en 1976, j'avais été convoqué à la BMM, c'est-à-dire que l'équivalent de la DGA aujourd'hui, parce que j'avais repiqué un article dans un jeune Afrique, dans lequel il était écrit que Omar Bongo avait acheté une villa à Beverly Hills. On m'a convoqué, on m'a demandé d'où j'étais. Je dis non, j'ai pris ça dans un jeune Afrique. Il dit, allez, on m'a pris avec un policier, je suis allé chez moi, j'ai montré cet article là où j'ai piqué. Il dit bon, parce que jeune Afrique a écrit ça, vous avez le droit d'écrire ça, vous êtes qui? Vous êtes qui? Et le commissaire de la PMM qui m'avait reçu, qui m'avait fait... j'étais resté assis pendant plus de 4 heures. Il me dit, vous savez, hein, quand vous écrivez sur les pays des autres, méfiez-vous. Et ne pensez pas que ce que vous écrivez, c'est la vérité. La prochaine fois que je vous convoque ici... Alors, c'était la menace. Ça ne vous a pas ébranlé de toute façon. Vous êtes resté dans le métier. Non, j'ai eu peur, mais je suis resté dans le métier. Alors, Guévé Fonga, je ne vous ai pas donné la parole depuis parce que je voulais justement finir avec Camille Nélé, qui est le doyen, le papier de la presse. Alors, vous êtes enseignant, vous enseignez le journalisme en même temps. Liberté de la presse, où sommes-nous et où allons-nous? Non, il faut reconnaître que, en termes de liberté, on va reconnaître qu'il y a des facilités qui ont été accordées à la presse en termes de liberté d'expression. Donc il est un témoin vivant de l'histoire. Donc, il y a des choses qu'on disait aujourd'hui qu'on ne pourrait pas dire il y a 10-15 ans. Dans ce point de vue, on peut reconnaître que, avec la loi de 90 sur la communication sociale, il y a un nombre de facilités de liberté qui ont été accordées aux journalistes. Ça, c'est vrai, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, on va simplement décrier, et ça fait un moment qu'on le dit, la précarité dans laquelle travaillent les journalistes dans notre environnement. Moi, j'ai vu votre reportage, d'ailleurs signé par Sylvestre ce matin encore sur Equinox. Alors, il se trouve simplement que ceux qui partent, avec ceux qui ont quitté, ça peut se comprendre, ça peut, parce qu'il est légitime, quoi qu'on fasse, d'aspirer à un musée, c'est légitime. Et donc, tant qu'on n'applique pas cette convention collective-là, encore qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Ceux qui ont encore un certain nombre d'éthique et de morale resteraient difficilement dans le métier au regard de la précarité dans laquelle cela vit. Quand vous rentrez dans une rédaction à Libreville, que je connais un peu, en tant que stagiaire, vous n'avez jamais écrit de votre vie, on vous paye 150 000 francs le mois. Ici, c'est carrément le salaire d'un rédacteur en chef. Un rédacteur en chef qui parfois arrive au lance-pierre. Et donc, le journaliste chinois, son plafond de verre, c'est... Vous évoquez la convention collective qui n'a pas, en tout cas, certains patrons de presse n'ont pas signé le document en question, mais certains, ceux qui savent quand même, qui connaissent la valeur des journalistes ont signé. Il y a quand même un problème à ce niveau aussi. Oui, parce que beaucoup d'entre eux vont vous brandir le respect de l'État par les accords de Florence, qui voudraient que tout ce qui constitue la matière première de la presse rentre, ils puissent les avoir pour presque rien, notamment le papier et tout ce qui va avec. Bon, du moment où ils mettent cette barrière-là, le respect des accords de Florence, qui n'est pas respecté par l'État, ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour payer décemment les journalistes. Bon, maintenant, le paradoxe, c'est que quand on voit le train de vie que mènent la plupart de ces patrons de presse et le train de vie des journalistes qui travaillent pour eux, on a parfois l'impression que la plupart d'entre eux sont de mauvaise foi. On a célébré il y a quelques jours la fête du travail. Vous êtes parmi les rares journalistes qui mangent au vin.
C'est la deuxième fois que vous dites Guillaume. Oui. Vous n'êtes pas très nombreux. La plupart des travailleurs de la presse, si le diable parle la queue, il faut le dire. Si vous avez, moi je connais des rédactions ici qui sont capées, où le DP, quand on envoie les journalistes en reportage, leur demande de se débrouiller parce qu'ils estiment qu'une fois là-bas, ils vont, essayer d'obtenir quelque chose pour subvenir le lendemain. Et c'est encore pire quand on a une femme dans ce métier. Ils vous disent que, moi je connais les DP véreux, des journalistes, des quotidiens vraiment sérieux, qui disent aux femmes journalistes dans leur rédaction qu'utilisez vos atouts, vos charmes pour avoir votre salaire à la fin du mois, parce que moi je ne vous paierai jamais, parce que les 30 et 40 000 même qu'ils promettent, parfois ils ne les donnent presque pas. Et donc il y a, c'est dur, mais il faut vraiment que dans ce pays, qu'on considère ce métier, il y a encore des passionnés, c'est vrai, mais à un moment donné, la passion, on ne la fait pas pendant 10 ans. Ouais. Quand on atteint 10 ans, après on veut passer à autre chose, on veut vivre comme ses amis, etc. C'est un peu dur, mais c'est la réalité. Oui, Camille, le journalisme devient un passage pour beaucoup quand même. Ben, c'est que, comme toute activité, c'est un passage. Vous savez, le journalisme mène à tout, mais tout ne mène pas au journalisme. Non, il y a des gens qui étaient mécaniciens qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, des pasteurs qui roulent en carrosse. Ben, vous comprenez, il y a des pasteurs même qui sont devenus journalistes. Non, ce que je voulais dire à Guy-Hervé Fondan, c'est que la problématique de cette journée, effectivement, c'est de mesurer le degré d'avancée de la liberté de la presse. Est-ce qu'au Cameroun, cette liberté est effective? Est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'il y a une progression? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, les conditions d'exercice de ce métier, celles-là, elles sont beaucoup plus. C'est un autre débat. Il y a un débat qui va nous amener justement dans la constitution du groupe de presse, dans la constitution d'une entreprise de presse. Qu'est-ce qu'un journal? Qu'est-ce qu'une entreprise de presse? Comment est-ce que la personne qui décide de créer son journal, comment est-ce qu'elle paye? Et elle paye sur la base de quoi? Ça, c'est un autre débat. C'est un débat qui est d'ailleurs d'actualité et qui est le cheval de proue des syndicats avec Kouébou et tout ça, c'est-à-dire se battre vraiment pour l'amélioration des conditions d'exercice de ce beau métier. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais quand vous allez de l'autre côté, parce qu'il ne suffit pas seulement de culpabiliser les directeurs de publication qui roulent carrosse, il faut aussi voir l'état, la situation de ces autres directeurs de publication qui n'ont même pas de bureau, mais qui ont des gars qui payent au noir et au lance-pierre. Et le journal paraît régulièrement à l'improviste, mais il porte le titre d'hebdomadaire ou de bi-hebdomadaire. Et qui sont les francs-tireurs, la plupart. Mais seulement, vous les considérez comme des journalistes, parce que justement, à ce niveau-là, le débat, ça, c'est aussi un autre débat. Et l'autre, le dernier débat, parce que la menace, la plus grande menace aujourd'hui de la liberté de la presse, c'est les réseaux sociaux. Parce que vous trouvez toutes sortes d'aventuriers et de dégrefins qui se permettent de dire n'importe quoi, de galvauder la pratique du métier de journaliste. C'est pour ça. Là, alors qu'il faut voir maintenant liberté de la presse et réseaux sociaux, lanceurs d'alerte et comme vous les appelez, tous les nouveaux noms. Moi, je dis qu'il y a une menace, une sérieuse menace sur la liberté de la presse. Non, je crois que cette menace est d'ailleurs inscrite au cœur des problématiques qui vont être abordées tout à l'heure à l'Université Saint-Jérôme par le syndicat des journalistes tout à l'heure. Ils sont déjà en plein travaux. Et aujourd'hui, c'est une vraie menace, une catastrophe pour la pratique du métier de journaliste. C'est lanceur d'alerte qui, pour moi, c'est une nouvelle race qui est venue pourrir ce métier qui, malheureusement, la plupart du temps, le font sans éthique, sans déontologie et sans formation pour la plupart, parce que c'est des apprentis sorciers qui, malheureusement, aujourd'hui, un espace qui est ouvert où chacun peut dire tout et n'importe quoi. Mais par contre, Flavien, moi, m'avez interpellé en l'entente de mon propos comme pédagogue, etc. Je souhaiterais quand même dire aux jeunes qui regardent de ne pas fantasmer sur les aînés qu'ils ont vus, qui vont exercer en entreprise aujourd'hui. Parce que la plupart des gens que je connais personnellement, c'est des gens qui se forment et qui ont appris les rudiments de la com. Parce qu'on peut être un brillant journaliste, un pire communicateur. C'est deux métiers totalement différents qui n'ont rien à voir. Tout ce que vous avez vu exercer, que ce soit ici à Equinox ou ailleurs, sont allés se former, ont appris à faire la communication et sont devenus aujourd'hui de brillants communicants en entreprise. C'est deux métiers totalement distincts. Parce qu'il est plus facile, et je suis obligé de le dire, pour un bon communicant, de faire du journalisme avec brio que pour un journaliste de faire la communication. Parce que la communication, c'est une particulière qu'elle embrasse plusieurs métiers. Les relations publiques, la publicité, le journalisme, les relations presse, etc. Donc, quelqu'un qui a un background de pure com peut pratiquer avec aisance le journalisme. Mais le contraire n'est pas évident, n'est presque pas possible. Tout ce que vous avez vu exercer comme journaliste qui aujourd'hui roule carrosse en entreprise, que je connais personnellement, que ce soit ici ou ailleurs, sont allés se former en com, ont appris le béaba et aujourd'hui s'expriment en entreprise et gagnent 10 fois plus que ce qu'ils avaient. Très bien. Dans la presse. Alors, nous allons quitter le sujet. Le thème principal, en tout cas, parle des médias, justice et état de droit. Donc, les
les contrepoids du pouvoir. C'est le thème en tout cas de cette année, de cette célébration. Et j'invite les lecteurs à les découvrir dans la presse, ce que le journal La Nouvelle Expression propose comme dossier sur la situation de la presse au Cameroun. Et parlant d'autres sujets également, on va revenir sur le Sénat, avec les 16 sénateurs qui ont été rattrapés par les incompatibilités. Tous ont décidé de rester au Sénat. Personne n'a voulu quitter le Sénat pour rester président du conseil d'administration, du moins pour ceux qui cumulaient. Bah, je disais encore il y a quelques jours ici que je ne serais pas surpris que la plupart des ceux-là qui sont soupçonnés d'incompatibilité puissent faire le choix du Sénat. Donc je n'ai pas été surpris parce que je faisais remarquer qu'au regard de la moyenne d'âge, la plupart de ceux-là, ils ont leur avenir derrière eux. Ils n'ont plus forcément grand-chose à prouver en entreprise. Le travail de PC est plus contraignant, plus absorbant que le travail de sénateur, où quasiment il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont davantage besoin d'honneur qu'autre chose. Et je n'ai pas été surpris que Tiff Mouquet et les autres fassent le choix du Sénat, parce qu'en entreprise, c'est plus contraignant, c'est plus lourd. Et puis, les avantages qu'offre un Sénat dans notre environnement n'ont rien à voir avec ce que pour offrir un PC. L'argent, ils en ont déjà, donc forcément, je n'ai pas été surpris qu'ils fassent ce choix de rester au Sénat pour bénéficier des privilèges que leur octroie la nation camerounaise. Au regard de l'argent, pour moi, c'est compréhensible. C'est le meilleur choix pour ces derniers. Non, pour moi, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Ces gens-là étaient cumulés déjà, surtout lors de la dernière mandature. Ils savaient très bien qu'ils cumulaient et que la loi allait interdire. Bon, maintenant, il faut regarder, il faut tenir compte du fait que la personne qui les nomme à ces postes de PCA, cette personne a le droit de les révoquer quand il veut. Quand on voit quelqu'un comme Tchik Mkote, qui est PCA de la Camtel depuis plus de 20 ans, ça veut dire qu'il manque d'expertise dans ce pays, qu'il manque de jeunes capables de tenir le conseil d'administration de Camtel, de l'une des entreprises les plus florissantes de ce pays. Mais non, c'est le chef de l'État qui l'y a maintenu. C'est peut-être une récompense ou c'est une compensation, c'est un accord entre lui et eux. Et maintenant, ça, c'est le cas avec beaucoup d'autres qui sont des PCA depuis très très longtemps, parce que pas tous ces PCA-là qui viennent de faire le choix entre le Sénat et le PCA, c'est des gens qui savent très bien qu'ils peuvent partir à tout moment. Forcément, ils se disent que tant qu'à faire, je gagne encore 5 ans de situation sur plutôt que de risquer de me faire virer. À tout moment, demandez-moi. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une grosse polémique, surtout avec le nouveau directeur du cabinet civil, qui estime qu'il y a des gens qui sont calcifiés dans certains postes dans ce pays, qu'on a pratiquement oublié. C'est comme si on leur avait fait un cadeau et que ça va changer. Donc, ils savent très bien qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis ensuite, quand Guy avait fondé qu'il a beaucoup le PC a beaucoup de travail. Ils n'ont pas de travail, ces PCA. Non, je dis ils ont moins de travail au Sénat qu'en entreprise. Excusez-moi. C'est tout à fait logique. Au Sénat, ils n'ont pas beaucoup de travail. Ils n'ont pas grand-chose. Ils gagnent ce qu'ils gagnent. Leur âge. Mais en plus, entre ce qu'ils gagnent au Sénat, parce qu'un sénateur a quelque chose à près d'un million de francs par mois, ils se disent quand même que c'est 12 millions par an. Ce n'est pas rien. Mais la plupart de ces gens sont là aux As, ils n'ont pas le problème d'argent pour la plupart. D'accord. Non, je voulais, il y a une phrase quand même importante par rapport à ces sénateurs qui ont été rattrapés par l'incompatibilité. Je pense que si on en est arrivé là aujourd'hui, il faut saluer et féliciter le travail du SDF, qui aujourd'hui pour moi sont des véritables lanceurs d'alerte. C'est ça qu'on appelle lanceurs d'alerte. Avec tambour et trompette, et qui a vraiment pesé d'un poids lourd pour que on puisse rentrer dans l'ordre et ramener tout. Non, je pense et respecter la légalité. C'était prévu. Donc Jean-Robert, il faut que je salue au passage d'ailleurs. Je sais le travail de fourmi que les SDF a mené. Donc c'est à féliciter cette alerte qu'ils ont régulièrement l'habitude de faire pour interpeller les dignitaires pour qu'on respecte simplement la loi. Au moins respecter la loi. D'accord. Oui. Alors, donc ça, c'est La Nouvelle Expression et bien d'autres journaux qui sont revenus sur le sujet, parlant de Parlement, 10 sénateurs. Rattrapé par les incompatibilités. C'est dans le journal, dans le dossier, en page 3 de La Nouvelle Expression, dans d'autres journaux aussi. On va dire un mot avant de sortir de cette émission sur Info Matin, qui revient également et propose la lettre de Vincent Bolloré, qui rassure quand même son personnel pour dire que c'est une sorte de cabale judiciaire dont il fait face depuis quelque temps. Vous savez, Flavien Valonongo, je pense que le sentiment anti-français a été tellement développé dans ce pays que les Camerounais refusent même parfois de regarder froidement les choses. Et dès que la France est brocardée dans une affaire ou dans une autre, ils commencent à se frotter les mains, ils commencent à se masturber. Quand cette affaire Bolloré a éclaté, moi je me suis dit, mais de quoi je me mêle? Comment la justice française peut-elle dire que, bon, monsieur Bolloré, nous, on vous met en examen pour les pratiques que vous faites en Afrique, vous gagnez des marchés, vous donnez de l'argent pour que les dictateurs restent au pouvoir. Mais
de quoi je mêle? Lui, Bolloré, c'est pas la France qui l'enrichit, c'est un groupe vieux qui est centenaire. Mais le problème, c'est que, il est vrai, les pratiques du groupe Bolloré en Afrique ne sont pas les plus orthodoxes, mais Bolloré est un homme d'affaires comme beaucoup d'autres qui font des affaires en Afrique. Or, ceux qui n'ont pas de mémoire et ceux qui ne suivent pas suffisamment les affaires ne savent pas que les malheurs de Bolloré d'aujourd'hui viennent de la concurrence qu'il a eu avec un certain Dupuy Dobby. Spécialistes aussi dans les ports en Afrique, et leur complice vient du Togo quand Bolloré a réussi à le faire évincer. Ce monsieur a fait une campagne médiatique extraordinaire, un tapage contre Bolloré et tous ses investissements en Afrique. Donc, c'est d'abord une affaire franco-française. Vous comprenez? D'accord. Quand Bolloré dit, explique aux gens ce qui se passe, les gens comprennent beaucoup plus facilement. Il rassure quand même son personnage. Bolloré n'est pas pire qu'un patron de presse qui paye un employé à 30 000 francs et qui demande à Kaki, il demande de venir à 5 heures tout le matin faire une matinale. Ou si tu veux faire agresser, qui rentre parfois, les 30 000, elle les a pas à la fin du mois. Bolloré n'est pas pire que les négriers de la presse qui sont au Cameroun, qui très souvent emploient les gens sans contrat de travail, sans assurance maladie. Bolloré, c'est un homme d'affaires qui fait comme tous les hommes d'affaires, qui fait du business et qui essaie de gagner l'argent. C'est un capitaliste. Donc c'est un faux procès qu'on fait. Si en face, il n'a pas la réplique nécessaire, bah, comme tous les hommes, comme tous les capitalistes, il amasse. Très bien. Donc c'est pas un procès qui fait sens. Par contre, moi j'ai lu la sortie de Bolloré il y a quelques jours où il dit Bolloré abandonnait l'Afrique. Je veux dire que c'est un discours paternaliste. C'est un discours paternaliste, moi qui m'a heurté. Je veux dire qu'on n'est plus à l'ère de la colonisation. On a l'impression qu'aujourd'hui, les Bolloré, on peut s'en passer. On a les hommes d'affaires d'Afrique prospères comme les Dangote. On peut aujourd'hui se passer de Bolloré. D'accord. Ce discours paternaliste, moi un peu heurté. Moi, j'ai l'impression qu'on va être orphelin parce qu'il sera plein. Non, c'est faux. Faut-il abandonner l'Afrique pour laisser le terrain chinois? Laissons aux lecteurs d'aller découvrir. On a le choix aujourd'hui. La presse propose cette question. Donc, vous aurez la possibilité de lire ce qui est contenu dans la plupart des journaux, parlant notamment de la lettre de Bolloré à ses employés qui sont donc en Afrique beaucoup plus. À quoi qu'il paye bien ses employés, Bolloré. Merci. Il paye très bien ses employés. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions et bonne fête. C'est la journée de la liberté de la presse. Bonne journée à tous, madame, monsieur.